votre nouvelle voiture, elle vous amuse? Ah bon? Elle consomme très peu alors. Elle pollue peu? Au moins elle est performante. Ou particulièrement fiable. Ah, dommage. Vous n'avez pas essayé une BMW alors? Pourtant ils offrent en ce moment des avantages irrésistibles. Vous ne le saviez pas? Bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Cette semaine, je vais vous amener au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous irons aussi à Pignan et nous irons à Galargues. Et puis, bien sûr, il y aura plein d'autres petites surprises. Pour le moment, c'est le sommet en images et on se retrouve tout de suite après. Maintenant à Pignan, vous allez y découvrir un embrasement extraordinaire, un marché de Noël énormissime, un monde de fous et surtout des maisons éclairées, mais vous allez voir, pas comme les autres. C'est rare alors ces maisons illuminées, c'est magnifique, c'est votre œuvre. Ah oui. Eh ben oui, c'est mon œuvre, c'est mon voisin qui m'a donné le virus, René. René Louis, mon voisin, qui m'a donné le virus, qui après, je me suis mis dedans, la maison après est venue se construire, et ainsi de suite, et donc on est venu les quatre maisons. Mais on aimerait que, dans son petit lotissement, que les gens mettent des lumières un peu de partout. Mais bon. Pas grand chose, mais des lumières. Pas grand chose, mais vous faites des sujets animés, donc oui. C'est vraiment de l'art, quoi. Oui, enfin de l'art, si on veut dire, entre guillemets. J'aime bien que ce soit animé. Moi j'ai le principe, c'est la fête foraine. Donc il y a la grande roue avec les petits personnages dessus. Il y a le bateau avec les Pères Noël, le bateau qu'on a dans les grandes fêtes foraines. Qu'est-ce que c'est qui le fait marcher? C'est un moteur d'essuie-glace, de voiture de récupération. Tout ce qu'il y a qui fonctionne, c'est des moteurs de récupération. Le petit manège que vous avez, les casseroles, c'est un moteur de micro-ondes, de plateau de micro-ondes. Qui tourne lui doucement, qui ne consomme pas d'électricité, c'est 3 volts. Et après, il faut combiner pour le faire fonctionner. Avec de l'imagination, on arrive à tout. Et donc c'est la joie de tous les enfants de Pignan des grands-parents, des gens des villages environnants qui viennent en voiture, qui regardent, qui sont là, qui prennent des photos, qui reviennent. C'est la joie, ils sont contents les gens et nous aussi. Joyeux Noël les Pignanais! Depuis à peu près 3 ans, on fait une nocturne, donc le samedi, avec l'embrasement du château qui sert de mairie, bien sûr, château qui date de la fin du XVIIe siècle, donc un embrasement magnifique. Et voilà, une manifestation qui se passe toujours le dernier week-end, juste avant Noël, et qui attire vraiment, vraiment beaucoup de monde, de plus en plus chaque année. On s'aperçoit, pour avoir fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour déjà dans le marché à Micro-Opéral, les gens en me croisant me disent on revient d'autres marchés, ils font la comparaison, et c'est vrai que franchement il y a beaucoup, beaucoup de monde. Après, on a la chance aussi d'avoir eu le temps qu'on a eu aujourd'hui. Demain, ils ont prévu le même temps, donc on s'attend à avoir beaucoup, beaucoup de monde. La chance qu'on a ici à Pignan, c'est que les gens participent. Les habitants du village aiment la dynamique qu'on a impulsée depuis plusieurs années ici. Et c'est vrai qu'ils participent beaucoup. Parce que comme je dis à chaque fois, on peut faire ce qu'on veut. Si la population n'adhère pas, ça sert à rien. Et c'est vrai que nous, on a cette chance-là, les Pignanais vraiment nous montrent combien ils ont besoin de ce moment de convivialité.
Ah, donc votre magasin s'appelle La Camionnette. La Camionnette. Et donc vous faites du bio et vous... On fait des produits bio, des produits locaux. Et mais vraiment faites... des circuits très très courts. Et vous faites quoi vous... Des marchés, des comités d'entreprise. Vous allez carrément dans les petits villages. On démarre, avec votre ça fait un mois qu'on a démarré, donc on prévoit d'aller faire les petits villages. D'accord, ok. Et ça marche? Ça démarre bien. Ouais. Oui. On a pas mal de bons contacts et tout, donc ça devrait. D'accord, très bien. En plus, on est les seuls dans l'Hérault et dans le Languedoc-Roussillon, donc ça ne peut que marcher. Donc produits locaux, essentiellement. On ne fait que du bio. Tous nos produits sont bio et quand c'est pas bio, c'est local. D'accord. Vous voyez, par exemple, on a de la bière de Mobio, on a de la bière de Metz. Ça, la bière de Mobio. Voilà, ça, c'est la bière de Mobio. La bière de Mobio. Et à côté, c'est la bière de Metz. Celle-là ? Non, ça, c'est... Celle-là, la bière de Metz. D'accord. Ça, c'est pas bio, mais c'est local. Et donc, on vous trouve où si... Alors, vous vous arrêtez dans les marchés. Samedi, le vendredi à Pignan sur le marché du Forum, le samedi à Pignan sur la place de l'Horloge, le mercredi à Condottéral, et le reste du temps, je fais des comités d'entreprise sur Montpellier. D'accord, très bien. Et après, on a le plaisir du contact humain. Les gens actuellement, ils sont à la recherche de ça. Ouais. De ça, hein, ça on a perdu avec les supermarchés, tout ça. Ça revient de plus en plus. Ça revient. Ouais, vous avez une bonne idée. J'espère. Vive le marché de Noël à Pignan! C'est trop beau! C'est super! Moi, je m'appelle Vanessa. D'accord. Et donc? Donc, en fait, je fabrique la pâte de porcelaine froide et après, je la travaille à la main. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la pâte de porcelaine? Donc, en fait, c'est un mélange de colle, de farine maïzena. Ah bon? Voilà, que je cuis en fait. Et après, ça fait une pâte un petit peu qui ressemble à la pâte à modeler en fait. Et ça se travaille. Et vous faites tous les petits sujets là. Voilà, c'est ça. C'est très joli. Mmh. Et après, vous les peignez. Voilà. Et vous avez appris ou c'est comme ça? J'ai appris comme ça. Comme ça, sur le tas. Voilà. Voilà. C'est ton épouse de la terre écrasée. Et au Miss France. Et à l'Arena. Ah, il t'avait grimé. De vous accueillir à ce marché de Noël. Avec tout à l'heure, vous allez le voir, dans quelques instants, l'embrasement du château. Alors, je voudrais tout d'abord remercier, bien évidemment, comme nous le faisons chaque année, Lionel Miklos, la société Piragri, qui nous fait ces magnifiques feux d'artifice, ce magnifique embrasement du château. Et je crois qu'on peut déjà, d'ores et déjà, hein, donc l'applaudir bien fort pour le remercier. Et vous savez que c'est un Pignanais en plus. Voilà, en tous les cas, merci encore à vous d'être présents. Vous savez que ces moments de fête sont importants pour nous, sont importants pour vous. Ça nous permet de vous rencontrer. Et puis, je pense que c'est cette période de quelques jours où bien on met nos soucis de côté, on oublie les problèmes qu'on a les uns les autres. Et puis, on pense surtout aux enfants, à la famille, aux personnes, bien sûr, qui sont absentes et dont on aurait bien aimé les avoir à côté de nous. Donc voilà, c'est ces moments importants de convivialité, de partage. Et pour cela, vraiment, je vous remercie parce qu'à Pignan, vous avez su montrer que ces moments-là, on les appréciait en étant présents lors de toutes les manifestations que nous organisons. Cover my
Je vous amène maintenant aux Saintes Maries de la Mer. L'actualité sur le mois de décembre, entre autres des Saintes Maries de la Mer, c'était bien sûr le conseil municipal, mais aussi l'inauguration du marché de Noël et surtout l'inauguration des manèges de Noël. Et vous allez voir que les 13 conseillers municipaux et élus qui étaient présents les ont testés. Municipal, je passe par la délibération, M. Fourcou, je fais la liste de demandes. On va mettre d'abord le vote des... Compte rendu de gestion. Écoutez un peu tout ça. Ça m'a été une voix. We'll be right back.
partons maintenant à Galargues retrouver notre animateur sportif Philippe Panettas qui nous fait découvrir une course magique mais très très difficile. Allez, c'est parti au coup de pistolet! C'est parti, pistolet, à l'instant même! 10h, 2 minutes et 43 secondes pour Bud. Plus de 400 compétiteurs pour cette édition de la Plaine 2016. Claude, bonjour. Alors, la montée de la Plaine, vous en êtes l'organisateur. Alors, c'est la Plaine. Mais c'est vraiment la Plaine PEI oui. aussi, non? C'est vraiment la Plaine PEIN, oui, tout à fait. C'est une belle course, c'est une mais belle difficile. Course. Difficile, oui. Je suis un peu déçu parce que cette année, on a eu un peu moins de coureurs que l'an passé. Mais bon, il y a tellement de courses dans les roues et le Gard que c'est à cause de ça. Hein, voilà. Oh, mais il y avait déjà 500 coureurs. Oui, mais il y a des courses partout. Oui, mais combien on vous comptait en faut 600. 5000 on pensait 600 cette année, mais bon, c'est comme ça. Enfin, tous, mais tout s'est bien passé. Bon, ils sont tous contents. Il fait beau, tout le monde est content. Le record n'a pas été battu. Non, le record n'a pas été battu, ni le record de l'épreuve, oui, tout à fait. Mais parce qu'il faisait froid. Parce qu'il faisait froid. Alors, cette année, si j'ai bien compris, vous avez rajouté la marche nordique. Tout à fait. On a eu quand même une quarantaine d'inscrits à la marche nordique. Mais dès l'année prochaine, on va le mettre avec la puce. Donc, on va faire plus de publicité pour la marche nordique. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, venez faire la montée de la Plaine. Voilà. Apparemment, en plus, ça en vaut la peine. Voilà. Et il ne faut pas non plus oublier que la montée de la Plaine est faite au profit de la Ligue contre le cancer. Très bien. Chaque année, on remet 2500 euros à la Ligue. Eh bien, bravo. Voilà. Ça, c'est sportivement votre. Voilà. Merci. Moi je suis élu à la commune, je suis le premier adjoint. Ah voilà, on n'a pas n'importe qui comme chauffeur. Je m'occupe juste du bon fonctionnement et du bon déroulement de la course. Et un commentaire, il me semble bien que c'est la première fois que tu venais à la montée de la Plaine. Donc un commentaire sur la course. Ben, la course, c'est la première fois que j'ai fait la montée de la Plaine. À la base, je devrais faire un cross de Vergès, mais j'ai dit quand même, je vais essayer de faire la montée de la Plaine. Alors, et ils m'ont dit que c'est attention, c'est dur. J'ai dit, ben, je vais essayer comme tout le monde et voilà. Ben, je suis venue pas pour gagner parmi les trois, mais pas pour la première place. Mais là, je suis contente, c'est une gagné et voilà. Et le parcours est vraiment dur à monter. Dur, mais je te vois quand même heureuse. Souriante, oui. Donc finalement c'est dur sur le moment, mais après c'est après, de c'est la ça. Satisfaction. Oui, après ça fait plaisir, pourquoi. Il me semble que tu n'as rien lâché jusqu'à la fin. Il me semblait même que tu pouvais revenir et gagner une place supplémentaire. Alors d'abord, je voudrais remercier toute l'organisation parce que c'est toujours une course superbe. C'est seulement la deuxième fois que je la fais. Je crois que je commence à y prendre goût, surtout cette année. Donc superbe ambiance, parcours atypique, donc tout le monde y trouve son compte. Et au niveau de la course, faut beaucoup s'écouter. Il faut écouter son organisme parce que sinon, on ne va pas jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, là, j'avais une bonne sensation. C'est vrai qu'à un moment, je suis même passée troisième et la jeunesse est repassée devant, ce qui est normal. Donc voilà, je suis très contente. Et bon, Corinne a eu un petit coup de moins bien aujourd'hui. Mais on prépare les crosses, donc on va dire que c'est bien pour le mental. Alors merci à tous.
un Belge, un Claude Belge, l'occasion pour moi d'appeler les Sorbailleux aussi. On va rester chez notre ami, chez nos amis belges en accueillant les deux sœurs Margot. Claude, comment ça s'est passé cette compétition de qualité? Je vois que tu n'as pas perdu ton sourire comme d'habitude, ni ton appareil photo. Oui, tout à fait. Mais moi, je fais un peu partie des ardennes du peloton. C'est toujours un régal extraordinaire. On part toujours dans des conditions dures et puis une fois qu'on est là-haut, c'est magnifique. C'est vraiment une course qui mérite d'être connue et tendue. Hein. Pas, peut-être plus sur du plat, mais merci aussi de ta présence. Parce que il me semble que tu es toujours hors de la région, mais que tu viens avec grand plaisir pour cette montée de l'appel. Alors bonjour, je tiens à féliciter une fois de plus tous les bénévoles et en particulier le bureau pour organiser sur la course. C'est toujours un franc succès, c'est une course qui est populaire, et qui a à la fin un très très bon niveau puisqu'elle attire du bon monde. Elle est toujours ainsi dire. j'ai peiné en haut de la côte, mais j'ai réussi à maintenir et à être troisième. Et finalement, je me suis fait doubler après par le troisième, je ne sais pas encore son prénom. Rachid Kachach. Et il a été plus fort que moi sur le retour de la course, donc il a bien mérité sa troisième place. Partagé, pardon, un grand moment d'émotion pour franchir la ligne d'arrivée. Ça se voyait, ça se ressentait avant que vous franchissiez la ligne. Et puis vous avez continué après la ligne d'arrivée. Alors, une explication à autant d'émotions. C'est mon bébé. Alors, le bébé, comment ça s'est passé pour le bébé, ce 12 km 100 pour la montée de la peine? C'est pas évident, hein, comme course à pied. Ça a été très compliqué, mais elle est là, et c'est pour ça qu'on fait, c'est parce qu'on fait ensemble. On commence ensemble, on finit ensemble. Je suis très bien, elle est formidable. Ah ben voilà, si c'est pas de la joie, si et c'est pas de moi. C'est magnifique, cette région. Un trail magnifique. Oui. Une splendeur. C'est vrai. Une région extraordinaire. On reviendra l'année prochaine et on va diffuser partout pour qu'il y ait du monde. Super beau. Super voilà. Beau. Le préciser. Un commentaire sur votre participation collective féminine, mais pas exclusivement, sur cette première marche nordique à la montée de la peine. Ben, on connaissait en tant que course à pied, hein, parce qu'on l'a toutes fait. Et du coup, on voulait tester en marche nordique, comme c'était la première fois que vous l'organisiez en marche nordique. On connaît un peu débutante en marche nordique, d'ailleurs. Et ben, on s'est régalé et on a bien tous marché. J'ai oublié de dire tout, parce qu'il y a un garçon. Deux. Ah, deux, ouais, mais là, il n'est pas là. Voilà, donc c'était super, en plus, il fait beau. Voilà. Très bien. Il paraît, oui. Bon, il y a toujours des mauvaises langues que, oui. Que vous avez beaucoup parlé du reste. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, restez curieux. Néanmoins, vous pouvez toujours nous contacter au numéro de téléphone qui s'est affiché. Vous pouvez aussi nous envoyer vos demandes de reportage via notre boîte mail qui s'est aussi affichée. Et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Ciao, bye bye.